Yo les Trashers, si je vous dis générique de Pokémon, vous pensez tous immédiatement à ça. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Et là, je peux sentir en vous une vague de nostalgie vous envahir. Vous vous sentez pousser des ailes et vous voulez accompagner Sacha dans ses nombreuses aventures à travers le monde. Ou bien vous n'avez jamais vu la série Pokémon et donc votre enfance fut extrêmement triste. Ce fabuleux clip nous a tous accompagnés durant de nombreuses années à travers le monde. Sauf qu'il est extrêmement différent si on le compare au générique japonais, qui possède à lui seul son lot de mystères. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vous propose de découvrir les secrets du clip Pokémon. On commence avec la chanson Pokémon et plus particulièrement la version Force Kids qui s'occupait de la production des épisodes aux US, gérée par John Siegley et Norman Crossfeld. Salut, c'est Norman. Ces derniers, voulant avoir leur propre générique de Pokémon, décident de contacter la boîte de production Rave Music, connue pour leur thème publicitaire accrocheur. Leur but, trouver un slogan aguicheur qui donnerait envie aux enfants de regarder les épisodes de Pokémon chaque semaine. Le premier slogan était « Attrapez-les tous si tu peux », mais ce sera délaissé pour le slogan que nous connaissons tous aujourd'hui, « Attrapez-les tous ». Bien évidemment, sans compter ça, il y aura eu de nombreux remixes que je n'ai pas réussi à retrouver. Et tout ça pour engendrer une vague de merchandising violente pour dilapider l'argent de nos parents. Salut, j'aime l'argent. Dès les premières lignes, la chanson était géniale, plein d'espoir et facile à retenir. Tandis que le générique japonais était très différent et ne véhicule pas tout à fait le même message. Déjà la musique est extrêmement différente, mais jugez-en par vous-même. Je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'il y a en effet une différence assez flagrante. Au niveau des paroles, on sera loin du fameux discours « Un jour je serai le meilleur dresseur » ou encore moins « Il n'est pas question d'attraper tous les Pokémon » ou bien encore de tous les collectionner, non, non et non. Le générique japonais dit que l'important est de devenir un grand maître Pokémon en s'adressant directement aux spectateurs, et que tu iras combattre avec les Pokémon que tu désires, et non pas « Attraper-les tous ». Maintenant parlons du clip. Déjà, la version Force Kids est bien... Ils ont rien respecté. Bon, je ne vais pas vous illustrer le générique Force Kids, vous le connaissez tous. Attardons-nous plutôt sur la version japonaise. Le clip commence sur le titre de la série Pocket Monster. Pocket Monster étant le titre original de Pokémon au Japon. Ainsi qu'en visualisation, le symbole élémentaire du jeu de cartes Pokémon. Puis nous voyons une scène qui a été gardée dans le montage de Force Kids. Mais lorsqu'on écoute la version japonaise, un son nous interpelle. Ce bruit strident tout droit sorti des enfers provient de cette fille que l'on voit seulement dans le générique. Mais d'ailleurs, qui est cette fille? Eh bien, c'est tout simple. Cette jeune fille mystérieuse sert d'illustration pour les paroles de la chanson. J'ai rien compris. Je vous explique. Si on traduit le générique japonais mot pour mot, voici ce qu'on obtient. Que ça soit dans le feu, dans l'eau, les arbres, dans les forêts ou sous les coquillages, que ça soit sous la terre, derrière les nuages ou sous la jupe des filles. Donc vous l'aurez compris, ce personnage ne servait qu'à illustrer un propos, bien que je n'ai jamais eu l'idée de vérifier. Au passage, regardez sous la jupe des filles, on appelle ça de l'upskirting. Pouce bleu si t'as appris un truc. Pour en revenir au générique japonais, de nombreuses parties ont été enlevées dans la version Force Kids que voici. Mais bien évidemment, d'autres illustrations ont été laissées. Vous l'avez bien vu, le début du générique Force Kids, eh bien c'est la fin du générique japonais. Mais pour certains d'entre vous, la musique du générique japonais vous dit peut-être quelque chose, comme si vous l'aviez déjà entendu quelque part. Eh bien, vous ne rêvez pas, vous l'avez probablement déjà écouté dans le jeu vidéo Pokémon Pinball. Thank you.
Très sympa, hein. Pour finir, Force Kids a certes modifié le slogan ou encore la compréhension du texte, mais dans le fond, bah on s'en fiche, parce qu'au final, c'est cette chanson qui aura bercé notre enfance et nous aura donné envie de devenir de grands dresseurs Pokémon. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager et à commenter, et à lâcher un pouce bleu des familles si le cœur vous en dit. Je vous dis à plus, et restez curieux.